Or, tout cela suit une stratégie de long terme qui a été entre autres préparée, mais là ce serait beaucoup trop long de revenir dessus, par leurs homologues. Dernier point, la destruction par la procédure d'endettement, parce que qui est la conséquence logique des deux autres. Et là, je vais vous parler de quelque chose qui n'était pas dans mon ouvrage, mais qu'on appelle la théorie des caisses vides. C'est un nom doctrinal. C'est un nom doctrinal aux États-Unis. C'est-à-dire que vous allez, si vous voulez, endetter l'État par le déficit, par une vision très particulière du déficit public. Pour moi, le déficit public n'est pas nécessairement un mal, ça dépend ce qu'il y a dedans. Mais je vais vous donner et quelques citations pour que vous voyez bien de quoi je parlais. Ruth Richardson, ministre des Finances de Nouvelle-Zélande, de 90 à 93. Si vous ne connaissez pas une véritable crise, inventez-la. Monsieur Guy Sorman, dans La Solution libérale, 1984. Le déficit engendré par les baisses d'impôts apparaît comme un formidable moyen de pression pour contraindre l'État à rétrécir. Il n'y a en vérité aucun autre moyen que cette pression. Monsieur Mink, le système public ne reculera que pris en tenaille entre les déficits devenus insupportables et des ressources en voie de raréfaction. Et Le Monde du 14 avril 1992 fait état de la confession d'un banquier de la City sur l'élection de John Major. Monsieur Major devra nous parler avec des gants, car il faudra bien l'aider à combler les trous des dépenses publiques. Est-ce que vous voyez ce que c'est une stratégie d'endettement? C'est-à-dire, nous allons forcer l'État à se vendre lui-même à la découpe par la logique de la dette et par la logique de la baisse d'impôts. Fait et du déport d'impôts. Des catégories rentières sur les catégories productives. Évidemment. Or, on va prendre un exemple très simple. Le ratio dette sur PIB des pays de l'OCDE de 1950 à 1970 décroît de 3,6% par an. C'est-à-dire que les États se désendettent très lourdement. De 70 à 1980, il augmente de 0,8% par an, mais de 1980 à 1998, il augmente de 3,6% par an. Et ça, comme le dit très bien une étude canadienne, tout à fait au-dessus de tout soupçon, c'est une étude publique, c'est, je cite, une stratégie, l'étude est de Larry Barrow, 1994, une stratégie mûrement réfléchie. La preuve, j'ai retrouvé des écrits très bizarres de vieux économistes, qui dit, mais Reagan, c'est quand même un mec bien, il a creusé les déficits comme personne, pour légitimer la casse qu'il a fait de l'État américain. Et la casse, comme vous n'en imaginez pas, je vous donne juste un fait pour vous faire rire. Un aérodrome sur quatre aux États-Unis, les Américains voyagent énormément en avion, est dans un tel état que s'il n'y a pas des accidents aériens tous les jours, je cite le rapport des aiguilleurs du ciel, américain repris par Ariana Huffington dans L'Amérique qui tombe, c'est, je cite, par l'opération du Saint-Esprit. Quand il n'y a plus que ça, on n'est pas loin de la bavure. Or, ce même vieil économiste va s'attaquer à Clinton quand Clinton va désendetter les États-Unis. Et j'ai retrouvé cette citation qui va vous faire rire par rapport à la presse européenne d'aujourd'hui sur l'austérité. Vous savez, un État qui règle toutes ses dettes, ça peut poser des problèmes. C'est drôle ça. Qu'est-ce qu'on fait? On règle, on ne règle pas? Qu'est-ce qu'il faut pour vous faire plaisir? Or, fondamentalement, et d'ailleurs, à l'élection de George Bush père, et là, de George Bush fils, pardonnez-moi, il y en a un qui est directeur de la CIA et l'autre qui est alcoolique. Mais à son élection, vie économiste titre le 4 août 2001, ouf, la théorie, alors ce qui se traduirait par politique de la caisse vide, mais qu'on pourrait traduire par politique des finances défaillantes ou autre.
est enfin de retour. Ah, donc là, le déficit, c'est bien. Il faudrait un jour qu'on nous explique le pourquoi du comment. Or, nous en avons terminé avec la stratégie de destruction par l'endettement. Et si on voit, pour terminer, à quoi ça nous mène comme dinguerie aujourd'hui, je vais prendre juste deux exemples. Le premier exemple, c'est le système de santé. Le système de santé français est très bon, contrairement à tout ce que vous pouvez croire. Mais il souffre de deux grands problèmes, qui sont, un, le fait de ne pas pouvoir suivre, comme tout le monde, l'évolution technologique terrible de la médecine. Un plateau ambulatoire en 1960, c'est 10 fois, aujourd'hui c'est 10 fois le prix de 1960, parce que 1960 on n'opérait pas au laser, tout simplement. Et de l'autre côté, c'est la maltraitance budgétaire qu'on a fait subir aux services de santé. En 1970, on formait 8500 médecins par an. Aujourd'hui en France, nous en formons à peine 3500 et nous allons prendre à des pays qui en ont besoin leurs médecins, alors que pour la plupart, et je dis ça sans, parce que si cette vidéo est regardée, je dis ça sans aucune méchanceté pour eux, et ils le savent très bien. Et ce sont certainement de très bons médecins. Mais ils ne passeraient pas le concours de première année avec le numerus clausus que nous avons, à cause d'épreuves surmathématisées et qui posent vraiment des problèmes de logique. Or, fondamentalement, ce n'est pas les insulter que de dire ça. Et on se permet de les faire venir alors que leur pays, la Roumanie, le Bénin, il y a plus de médecins béninois en région parisienne qu'au Bénin. Est-ce que quelqu'un peut me légitimer ça intellectuellement? Bon. Or, la plupart de ces gens seraient extraordinairement utiles dans leur pays, au lieu d'être sous-payés ici, parce qu'on leur, évidemment, logique budgétaire toujours, on les sous-paye à travail égal, évidemment. Or, ça, c'est l'état de la santé. Et mis à part ces deux problèmes-là, c'est-à-dire la maltraitance hospitalière et la maltraitance de nos systèmes de santé et l'évolution technologique, mais qu'il a pour tout le monde, le système de santé français est vraiment pas mauvais. Et il n'est pas aussi coûteux qu'on le croit. Je rappelle que le système américain coûte 16% du PIB par an et qu'il y a, je crois, 45 millions d'Américains qui n'ont aucun accès aux soins, dans la première puissance du monde. Alors que tous les petits-enfants sont soignés à Cuba. Je dis ça, je dis rien. Je n'ai pas d'affection particulière pour le leader Massimo, mais... Un homme qui a autant emmerdé les Américains ne peut pas être tout à fait mauvais. Tu survis si longtemps. Juste, au passage, je tenais juste à vous mettre une dernière citation. Là, je l'ai oublié, je m'en excuse. Mais de quelqu'un qui a fait le travail avant beaucoup de gens, qui est James O'Connor, The Fiscal Crisis of the State, 1973, qui a très bien, l'un des premiers à avoir raconté comment on détruit un État par la dette. Avec cette phrase, la dette resserre l'emprise du capital sur l'État. Et je vous donne un dernier exemple pour que vous voyez l'état de dinguerie dans lequel nous sommes. Par la théorie de déléguer au privé, nous sommes en train de déléguer une large part du deuxième réseau de télécommunications de France, qui est les télécommunications militaires, que le général de Gaulle avait fait en 1969 pour garantir notre intégrité territoriale. Et aujourd'hui, ce qui est le deuxième réseau, au sens réseau physique de France, tout comme ça a été le cas pour Gaz de France, tout comme ça a été le cas pour les autoroutes, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel s'assoient très lourdement sur la responsabilité qui leur incombe, en disant « il ne faut pas que le noyau dur soit délégué au privé ». C'est quoi le noyau dur? En termes logistiques, c'est quoi le noyau dur? C'est quoi le noyau dur dans une armée? C'est celui qui apporte la cantine? C'est celui qui apporte les cartouches? Parce qu'on a l'aîné, ça. Non mais c'est exactement comme une filière industrielle, une filière étatique. De l'amont à l'aval, ça doit être possédé complètement. Parce que dans une armée, quand vous... Imaginons, on va prendre un exemple totalement dingue. Je demande à un service de coursier de m'apporter des cartouches. Admettons. Moi j'ai une arme qui pour l'instant ne me sert à rien, mis à part à casser des noix. Bon. Si le coursier, parce que c'est un mercenaire fondamentalement comme toute entreprise privée, et ça c'est pas méchant, les gens qui veulent gagner leur vie, ils n'ont pas de prérogatives de puissance publique, c'est pas les mésestimer que de dire ça. Or,
décide de pas m'apporter mes cartouches, je fais la guerre au corps à corps. Contre un canon de 20 mm, je crois que j'ai compris l'issue du match. Elle n'est pas pour moi. Or, c'est tout simplement, aujourd'hui nous sommes en train de faire ça. Dernier point, la destruction de l'État territorial. Je ne vais pas revenir sur les euro-régions. C'est un sujet qui est connu par Yvonne Bonneman, par Pierre Hillard, par François Asselineau, par beaucoup de gens. Mais la perte d'investissement étatique a détruit des régions entières. Vous le voyez avec la Bretagne. La Bretagne, avant tout, c'est ça. Et c'est le fait que l'Union, par la directive sur les travailleurs déplacés, a permis à l'Allemagne de faire venir des Roumains, un salaire roumain et à conditions sociales roumaines, dans ces abattoirs. Qu'est-ce que ça... Là, on n'est pas dans le conflit, l'école républicaine et les petites patries. Hein. On n'est pas là-dedans. On est dans la destruction, évidemment, d'un tissu socio-économique à partir d'une idée qui est d'une dinguerie terrible, mais qui n'est que la version européenne du protocole des accords de l'OMC. Je crois que c'est le protocole 7, mais là, c'est à vérifier. Le droit d'établissement. J'ai le droit d'arriver avec mes conditions sociales. Voilà. Alors, résultat, ça va donner dans l'avenir à mes collègues juristes, ça va leur donner des situations sympathiques. Un échafaud s'effondre. Le français va à l'hôpital. Le roumain a le droit à une attelle. Le malien a une boîte. C'est comme ça que ça va. Quand vous allez dans la folie, vous pouvez aller jusqu'au bout. Or, la théorie du noyau dur que nos juridictions supérieures dégagent, tout comme elles dégagent le fait, pour le droit communautaire, qu'ils ne doivent pas, je cite, « entraver les conditions d'exercice de la souveraineté ». Or, mais ça ne veut rien dire. La souveraineté, d'abord, c'est un fait matériel. C'est du pouvoir matériel. Vous pouvez avoir le pouvoir de lever une armée, mais s'il n'y a plus de soldats, plus de cartouches, plus rien... Vous avez le ministère, vous êtes Arnaud Montebourg, vous avez le ministère de la parole. Or, fondamentalement, la souveraineté est quelque chose de tout à fait physique et de tout à fait palpable. C'est pas une abstraction, l'État, c'est ça que je voulais vous faire comprendre, parce que sa destruction aura des conséquences dans vos vies et dans la mienne, et des conséquences que j'ai pas envie de voir, fondamentalement. Ce qui va amener nécessairement, dernier point, à la destruction territoriale de la France. Et là, je vous rappelle qu'en 2014, il y aura un référendum en Nouvelle-Calédonie, appuyé par des puissances étrangères, à laquelle d'ailleurs nos ministres n'hésitent pas à faire des courbettes. Pourquoi ? Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a du nickel, et sous la Nouvelle-Calédonie, il y a des nodules polymétalliques, les terres rares de l'avenir. Et les Américains et les Australiens, qui sont leurs lieutenants dans la région, le nickel lui a déjà été pris par les Canadiens. Nous jeter du Pacifique, tout simplement. Et ce que j'espère, c'est que comme en 1989, nos frères de Nouvelle-Calédonie avaient répondu oui au fait de rester en France à 100%, avec une représentativité de 65% du corps électoral, mais j'espère qu'ils en feront autant. Or, mais ça, c'est le point ultime du processus. Parce qu'en France, ils savent que ça va être... que la logique d'abandon territorial ne sera pas comme en Italie ou en Espagne. Elle ne sera pas par du poujadisme de régions pauvres sur régions riches. Parce que vous ne trouvez quand même pas en France, où que ce soit, plus de 10% de gens pour vous dire « Il y a un problème à Quimper, bah, on paye. » Normal, c'est les Français. Le port de Brest est détruit, moi je vous dis, on va prendre le port de Brest est détruit, je dis « Bon, bah, où est-ce que je signe ?» Il faut reconstruire le port de Brest, évident. C'est là où vous voyez aussi le problème de la solidarité communautaire, parce que si on dit « Ouais, mais il faut quand même réaménager pour les Roms, tu comprends ?» Moi, c'est loin de moi. C'est très loin de moi. Ils s'occupent entre eux. Dernier point, ultime point de conclusion, les solutions. Or, il faut bien que vous compreniez que l'État en France a été une œuvre patiente de nos monarques, et de nos républiques, qui s'est fondée par des réserves inaliénables de souveraineté. Or, à partir de ces réserves, que le Conseil constitutionnel, même l'un des organes les plus larges de la République, a été obligé de reconnaître,
Nous pouvons, par exemple, utiliser le protocole, utiliser l'alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946 contre les privatisations d'État. Je cite l'alinéa. Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Cet article-là, qui devrait être respecté, a été exclu pour les autoroutes, exclu à cause que, comme il y a eu des compagnies de gaz, parce que c'est le cas aussi pour GDF, ou d'autoroutes qui n'étaient pas nationales, bah évidemment, c'est pas un monopole de fait. C'est des poules aux œufs d'or. Voilà. Voilà comment un pays qui a été fait par de grands juristes, de Alcuin jusqu'à Jean Foyer, voilà comment on abandonne ce pays au bord du chemin parce qu'une élite administrative et juridique n'ose pas prendre ses responsabilités. Or, ça c'est le premier point. Deuxième point, et j'en terminerai par là. À chaque époque de mondialisation, la mondialisation c'est un discours. C'est un discours avant tout. Avec des présupposés idéologiques qu'on vous met dans la tête avant toute chose. C'est pas la première fois que ça arrive. Avant, on était centré sur le monde méditerranéen. Ensuite, on a été centré sur l'Atlantique. Maintenant, on sera centré sur le Pacifique. Mais à chaque fois que l'économie, ce qu'on appelle le système d'économie monde chez Braudel, a passé un stade, à chaque fois, les puissances politiques ont réaffermi leur puissance. Or, aujourd'hui, la seule chose qui manque, c'est une théorie de l'État pour ce siècle. Un État qui sera nécessairement plus fort, car pour maintenir nos régimes démocratiques, c'est quoi un régime démocratique ? Un régime démocratique, c'est un régime où la plupart de la population a pu avoir le niveau de subsistance et d'éducation pour participer à ses décisions, dans une période d'énergie peu chère. Et oui, parce qu'il n'y a de... Il faut que l'énergie soit abondante pour que des États puissent avoir des politiques de redistribution dans une... Et avec un outil militaire démocratique, donc des armées de masse. Voilà les non-dits de la démocratie, qu'à mon avis on vous a pas dit, mais que certains feraient bien d'intérioriser, c'est que la démocratie, c'est l'égalité des citoyens, la première égalité des citoyens. Clisthène et Solon le disent très bien, quand ils donnent des droits aux Athéniens, c'est le petit peuple grec qui a donné son sang par les hoplites et les marins contre les Perses dans les guerres médiques. La première égalité du citoyen, elle est là. C'est pas l'égalité devant l'impôt, c'est l'égalité devant le sang versé. Et ça demande nécessairement, ce qui a été le cas pendant l'Antiquité, vu que l'énergie était relativement abondante parce que c'était des énergies non complexes, et ce qui est le cas aujourd'hui parce que nous avons ce qu'on appelle la démocratie carbone. Or, fondamentalement, des questions de subsistance vont se reposer au XXIe siècle, alimentaire, énergétique. Et ça, qu'on le veuille ou pas, la seule personne qui peut y répondre, c'est l'État, quel que soit le projet de société que vous avez. Vous pouvez être ultra-productiviste, décroissant, vert de gris, tout ce que vous voulez. Mais si vous ne pensez pas l'État, vous ne pensez pas le fait politique, quoi que vous en pensiez. Et fondamentalement, la destruction de l'État, à terme, emportera la fermeture de cette petite parenthèse politique qui a été ouverte par la pensée grecque, parce que finalement, c'est la liberté des hommes qui partira avec. Je vous remercie beaucoup. Merci.